Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels sur le web sémantique et le web des données ouvertes et liées. Je m'appelle Constantinos Lambroulatrei, responsable des données ouvertes et liées de la Cinémathèque québécoise. Dans cette première présentation, nous allons tout d'abord expliquer ce qu'est le web sémantique. Mais tout d'abord, nous allons expliquer aussi le mode de fonctionnement du web actuel pour le comprendre. Premièrement, le web actuel est constitué d'un ensemble de documents, de pages web qu'on appelle. Donc ces pages web sont écrites avec un langage qu'on appelle HTML qui sont affichés, manipulés par le navigateur web. La recherche se fait par des mots-clés à l'aide d'un moteur de recherche. Et finalement, le web actuel est fait pour être manipulé majoritairement par l'être humain. Pour illustrer les limitations du web actuel, nous allons montrer un exemple de recherche d'informations. Supposons que nous voulons trouver tout ce qu'il y a à savoir sur Michel Brault, le cinéaste. Pour ce faire, nous avons utilisé un moteur de recherche pour extraire un ensemble de pages web qui contiennent le mot-clé Michel Brault. Donc, dans la première page qu'on pourrait retrouver dans un moteur de recherche, nous avons la page Wikipédia. Et dans cette page, on retrouve du texte qui décrit Michel Brault. On peut voir sa date de naissance, son lieu de naissance, sa date de décès, ses occupations, et ainsi de suite. Beaucoup d'informations pertinentes qui sont faites pour être utilisées par un être humain. Une autre page web qu'on peut retrouver, ce serait la page de l'ONF. Et dans l'ONF, vous voyez qu'on retrouve les différents films que Michel Brault a réalisés. Et pour chaque film, on connaît le ou les réalisateurs, réalisatrices, l'année de publication, ainsi que la durée du film. On peut tomber aussi, par exemple, ici, dans une page de Radio-Canada. Et dans cette page, on parle ici, plutôt, d'un article un peu bizarre qui parle d'une femme de 87 ans qui a été victime de fraude par un certain Michel Brault. Et bien évidemment, on comprend que ce n'est pas le même Michel Brault. Là, ici, c'est une autre personne qui a le même nom. Mais malheureusement, il n'y a aucune façon de faire la différence entre les deux, sauf en termes de déduction. Premièrement, la recherche s'est faite manuellement par un être humain. Deuxièmement, l'information est dispersée sur plusieurs pages web. Donc, ce n'est pas centralisé. Troisièmement, l'information est peu structurée. Et finalement, il n'y a aucune façon de faire la différence entre les « Michel Bro qu'on a rencontrés, tels que le cinéaste et celui qui est accusé de fraude. Est-ce qu'on peut effectuer la recherche d'informations automatiquement? Est-ce qu'on peut combiner l'information qui provient de sources différentes également et clairement identifier les entités qui réfèrent à la même chose? Et la réponse, est oui, c'est le but du web-sémantique. Le web sémantique est proposé par le W3C, le World Wide Web Consortium, donc un organisme à but non lucratif dont l'objectif est de gérer les technologies du web, dont HTML. Donc le web sémantique est tout simplement un ensemble de technologies qui sont utilisées pour représenter, partager et interagir avec des données sur le web. Ces technologies sont conçues pour rendre ces informations facilement manipulables par des machines. Voici un récapitulatif des différences entre le web actuel et le web sémantique. Premièrement, dans le web actuel, on va plutôt parler de documents, alors que le web sémantique, on va plutôt parler de connaissances. Les documents dans une page web sont encodés avec HTML, alors que dans le web sémantique, on va plutôt utiliser RDF. Dans le web actuel, on va utiliser des moteurs de recherche tels que Google, DocDocGo, pour rechercher nos documents, alors que dans le web sémantique, on va plutôt faire de la recherche de connaissances en utilisant par exemple le langage Sparkle. Et finalement, le web actuel est conçu pour être utilisé majoritairement par l'être humain, alors que le web sémantique est conçu pour être utilisé majoritairement par la machine. La figure suivante présente les couches du web sémantique. Actuellement, les technologies existent pour tout ce qui se trouve dans l'encadré rouge. Sans entrer dans les détails, nous pouvons expliquer les principaux blocs de la figure avec des principes généraux. URI représente simplement le concept d'identification, c'est-à-dire comment identifier de façon unique les concepts dans le web. RDF, quant à lui, représente le concept d'échange, puisqu'il faut un standard pour échanger des données entre les différents sites web. RDFS et ALL pour le côté représentation de domaines de connaissances et inférence de nouvelles données. Et finalement, SPARQL pour le côté interaction, c'est-à-dire interagir avec des données qui sont publiées en RDF. Donc, si le web sémantique est tout simplement un ensemble de technologies proposées par le W3C pour interagir, partager et représenter des connaissances sur le web, eh existe-t-il actuellement une mise en application de ces technologies? Et la réponse est oui, c'est le Web des Deniers ouvertilliers que nous allons voir dans la prochaine présentation. À bientôt.